en salle Labrousse pour cette première séance d'une nouvelle série de manifestations organisée par l'Institut national d'histoire de l'art. L'art entre les lignes, une manifestation qui est organisée en partenariat avec le magazine d'art L'Œil. Et je suis très heureux que son rédacteur en chef, Fabien Simode, ait accepté d'animer ces séances, de faire en sorte qu'elles puissent avoir un caractère peut-être moins compassé que nous avons tendance, lorsque nous sommes laissés à nos propres pentes naturelles, à adopter assez rapidement. Cette manifestation, ce cycle de soirées qui sont prévues jusqu'en juin 2022 dans la salle Labrouste, à raison d'une soirée, un peu plus d'une soirée tous les deux mois, sont retransmises en direct sur le site de l'INHA, raison pour laquelle je me suis présenté, pour les gens qui nous suivraient de loin et que je suis aussi heureux d'accueillir. Ces manifestations répondent à l'une des missions de l'INHA, à côté de la production de la recherche, du savoir et de la coordination de la recherche en France en matière d'histoire de l'art, à côté de la conservation et de la production de ressources, notamment par l'intermédiaire de la bibliothèque où nous nous trouvons, dans la partie visible et occupée de la bibliothèque, avec derrière moi le magasin central, sous nos pieds des réserves et à côté de nous des réserves qui contiennent les collections de l'INHA. L'INHA est aussi là pour assurer la diffusion de l'histoire de l'art auprès de tous les publics. Nous sommes persuadés que la recherche de pointe qui peut se faire par les chercheurs de l'INHA ou les autres historiennes et historiens de l'art doit pouvoir bénéficier au plus large public, que l'histoire de l'art a un potentiel citoyen qui est trop souvent inexploité. Et d'autre part, nous sommes aussi persuadés que les questions que la société peut adresser aux historiennes et aussi aux historiens de l'art sont particulièrement fécondes, doivent être entendues, prises en compte dans le travail de chacun, sans remettre en cause l'autonomie et l'indépendance de la recherche à laquelle nous sommes aussi profondément attachés. Discuter de la production de livres, discuter des questions qui sont soulevées par des livres qui nous ont particulièrement marqués, est une des manières de faire circuler cette information, de faire circuler de façon complexe ce savoir de pointe et ces questions de l'ensemble de la société. Avec notamment des ponctuations de débats par des lectures à voix haute et une chronique coup de cœur que je laisserai à Fabien le soin de présenter, comme je lui laisserai le soin de présenter nos invités. Je voudrais quand même remercier, c'est mon rôle en tant que directeur de l'institution, les organisateurs à l'intérieur de l'INHA de ce cycle, donc outre Fabien Simode qui a été partie prenante, Marine Kiziel qui est conseillère scientifique à l'INHA, Mathieu Léglise qui est chargé de mission à l'INHA et Olivier Mabille qui est conservateur à la bibliothèque. C'est aussi un élément important pour nous que cette collaboration entre différentes composantes de l'Institut national d'histoire de l'art. Remercier également le service des manifestations, le service des moyens techniques, le service de la communication et des services au public de la bibliothèque, et remercier aussi les lectrices et les lecteurs de la bibliothèque qui ont accepté ce soir de cesser leur recherche dans cette salle de lecture une demi-heure avant son heure de fermeture habituelle pour vous permettre de participer à cette rencontre. Je suis extrêmement heureux que cette première rencontre de ce nouveau cycle puisse être inaugurée autour des récentes publications de Christophe Pomian. L'INHA et Christophe Pomian entretiennent depuis longtemps des relations. Nous avons pu déjà participer à un hommage à l'ensemble de son travail. Je ne sais plus exactement quand cela a été au cours des deux dernières années. Et aujourd'hui, nous allons le retrouver pour ses dernières publications autour du musée, publications qui sont une récapitulation d'un long travail, mais aussi qui proposent des pistes nouvelles dont je pense nous allons parler aujourd'hui avec des invités tout aussi remarquables que Christophe Pomian, que je laisse Fabien vous présenter. Merci à toutes et à tous. Merci Eric, bonsoir.
Alors le livre, le marché du livre se porte bien. Selon un rapport du Syndicat national de l'édition, les ventes de livres ont augmenté de 5,5% en 2019, comme la production éditoriale qui est, elle, passée d'un peu plus de 106 000 livres en 2018 à 107 000 livres en 2019. Et l'année 2020 semble n'avoir pas impacté ce marché. Mieux, les confinements successifs ont vu, en dépit de la fermeture des librairies, vous vous en souvenez, les gens revenir aux livres. Aux livres au pluriel, aux romans, à la poésie, aux essais, à la bande dessinée. Mais le livre d'art dans tout cela, le livre sur l'art, lui, comment se porte-t-il? Toujours selon le rapport du SNE, le segment art et beaux livres ne représente que 2,6% des parts de marché, c'est-à-dire loin derrière la littérature, 21%, et la jeunesse, 13%. Autant dire une goutte d'eau qui a tendance à se réduire ces dernières années puisque le segment livres de beaux-arts a vu son chiffre d'affaires baisser de 13%. Alors, que manque-t-il aux livres d'art? Des lecteurs, sans aucun doute. Mais comment les espérer plus nombreux quand l'histoire de l'art n'est pas enseignée à l'école? Des relais médiatiques, sans aucun doute aussi. C'est une triste réalité, mais les journaux et les magazines généralistes consacrent des pages entières aux livres d'histoire, aux documents ou aux essais, jamais aux ouvrages d'art, peut-être jugés trop élitistes, peut-être ennuyeux. Et quand ils en parlent, c'est pour les enfermer dans les rubriques beaux livres à la fête des fins d'année. Parler des livres d'art et les faire parler à leur tour, c'est donc l'ambition que se donne ce soir l'art entre les lignes. Le nouveau cycle de discussion que vous a présenté Eric et que j'ai le plaisir d'inaugurer avec vous autour d'une trilogie d'ouvrages remarquables. Le musée, une histoire mondiale de Christophe Pomian. Bonsoir, monsieur Pomian. Alors, je vais présenter nos invités. Monsieur Pomian, vous êtes philosophe et historien des connaissances. Né à Varsovie, vous êtes arrivé en France en 1973, où vous avez rejoint le CNRS, que vous n'avez plus quitté ensuite. Professeur à l'EHESS, pilier de la revue Débat, avec votre ami Pierre Nora, vous êtes aussi directeur scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles, depuis 2001. Ce soir, vous êtes là pour nous parler de votre dernier livre, peut-être votre chef-d'œuvre, c'est ainsi qu'il a été présenté dans la presse, Le Musée, une histoire mondiale. Un livre en trois volumes dont les deux premiers tomes ont paru en octobre 2020, c'est-à-dire il y a un an, et en mars 2021. Du journal Le Monde à Télérama, en passant par France Culture, Les Échos ou La Croix, sans oublier notre magazine, tous les médias généralistes et spécialistes en ont parlé dans des proportions inhabituelles s'agissant d'un livre d'art. Résultat, votre éditeur, vous ne le savez peut-être pas, annonce déjà 12 000 exemplaires vendus. Et ce n'est qu'un début, puisque vous mettez la main à la fin du troisième tome que vous finalisez et qui est annoncé pour l'automne prochain. Autour de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Bondil et Rémi Labrusse. Bonsoir Nathalie. Le musée, vous le connaissez bien également et vous le connaissez de l'intérieur. Conservatrice, muséologue, vous êtes directrice du musée des expositions à l'Institut du Monde Arabe. Vous avez dirigé le musée des Beaux-Arts de Montréal pendant plusieurs années, de 2007 à 2020, où vous avez programmé des expositions inoubliables, j'en ai vu quelques-unes, comme Cuba, Art et Histoire, qui m'a profondément marqué en 2008. Alors vous aimez travailler les angles morts de l'histoire de l'art, c'est-à-dire la reconnaissance, par exemple, des modernités. Hier, Cuba, aujourd'hui, les mondes arabes, mais vous êtes également très sensible à la médiation et à l'engagement social du musée, par exemple l'art-thérapie que vous avez défendue. Rémi Labrusse, bonsoir, vous êtes professeur à Paris-Nanterre, université qui change régulièrement de nom. Spécialiste des relations entre l'Europe et l'islam, vous avez également travaillé sur Matisse, Miro et Bonnard, mais les recherches qui vous occupent aujourd'hui portent sur la préhistoire. Vous êtes l'un des commissaires d'ailleurs de l'exposition « Préhistoire, une énigme moderne » programmée au Centre Pompidou en 2019, année où vous avez publié un livre important que vous pourrez trouver après, cher lecteur, et le faire dédicacer, c'est « Préhistoire, l'envers du temps » chez Azan. En novembre, vous publierez dans la revue Critique un article savoureusement critique sur les livres de M. Pomian intitulé « Le musée douceur et désastre ». Nous en parlerons. Mais avant cela, je vous propose d'écouter les toutes premières lignes de votre livre, Monsieur Pomian. Elles sont lues par Étienne Ambrosi, un jeune comédien qui va vous faire entendre le texte. Étienne, c'est à vous. Le musée est un lieu bien étrange, mais cette étrangeté, nous l'apercevons plus. Née dans la civilisation moderne, pour nous, la présence des musées va de soi. Nous oublions qu'une fraction importante de la population mondiale en ignore encore l'existence. Et que même chez nous, le musée est relativement récent.
au point de ne pas nous rendre compte, historiens mis à part, de la difficulté d'accepter les principes qui sont au fondement même du musée et de l'envergure des bouleversements des catégories mentales, des structures sociales, des institutions politiques et des moyens techniques qui furent nécessaires pour qu'il puisse s'imposer. L'étrangeté du musée tient à son caractère paradoxal, à la fois inutile et indispensable. Inutile car il ne satisfait aucun besoin vital, ne produit rien dont on ne puisse se passer. Indispensable car une société moderne ne se conçoit pas sans musée. L'en privé, c'est lui signifier son arrêt de mort et susciter par conséquent une résistance, voire une révolte. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi défendons-nous nos musées et d'autres monuments, parfois au prix de notre vie? Pourquoi dépensons-nous de l'argent à les entretenir et les enrichir? Les réponses ne manquent pas et elles changent avec le temps. On voyait dans le musée un signe d'appartenance au monde civilisé. On soulignait son influence bénéfique sur le niveau des arts et des sciences. On insistait sur son rôle éducatif. Aujourd'hui, on parle plutôt de l'attrait que les musées exercent sur les touristes et de leurs retombées économiques indirectes. Toutes ces réponses sont recevables dans certaines limites. Aucune n'est pleinement satisfaisante. Qui plus est, elle donne l'impression d'avoir été fabriquée a posteriori pour justifier une institution qui est là et dont on reconnaît l'importance, mais dont les raisons profondes nous échappent. Pour aller plus loin, il faut commencer par se demander de quoi nous parlons. Comment caractériser cette énigmatique institution que nous appelons musée? D'une façon succincte, et telle qu'elle en dégage les traits distinctifs. Plusieurs approches sont possibles. Pour ce qui nous concerne, nous pensons que la plus pertinente est celle qui voit dans le musée un cas particulier du phénomène qu'on appelle collection. Merci Étienne. Alors, nous parlons de livres, et moi, en tant que lecteur, Monsieur Pommian, ce qui m'a le plus frappé, c'est que, presque plus que lire un livre d'histoire, j'ai eu l'impression de lire un roman d'histoire, un roman d'aventure dont le héros serait le musée. Cette écriture, c'est la vôtre. Vous permet-elle, que représente-t-elle? Est-elle la possibilité de transmettre, de passer? Est-elle importante? On parle souvent d'une écriture complexe, et là c'est un roman. C'est un roman. C'est ce que vous avez voulu, écrire un roman, c'est ça, un roman d'aventure? C'est tant mieux si c'est comme ça. Ce n'est pas pensé comme un roman, mais si ça se lit comme un roman, bon, je ne peux que m'en réjouir. Alors, cette trilogie, ça représentera 2000 pages à peu près, quand le troisième tome aura paru. Qu'est-ce que cela représente? Combien d'années d'écriture? Combien d'années de recherche? C'est très très difficile de répondre à une pareille question, parce que d'une certaine manière, ces livres, s'enracinent dans des travaux qui n'avaient pas du tout cette intention au départ. C'est très lentement, et je dirais presque à mon corps défendant que je me suis lancé dans ces projets. Donc, délibérément, ça fait 20 ans, un peu plus. 20 ans d'écriture, c'est ça? L'écriture, oui, ça fait 20 ans à peu près, depuis les premières tentatives jusqu'au volume envoyé à l'impression, ça fait 20 ans. Mais en fait, il y a derrière beaucoup de choses qui au départ n'était pas du tout supposé servir à cette fin qui était faite pour d'autres raisons. Il y a énormément de mes travaux antérieurs qui ont conflué d'une certaine manière dans ces livres. Vos travaux sur les collections notamment, qu'est-ce qui vous a amené à travailler depuis de nombreuses années sur le musée? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette institution? Non seulement sur les collections, parce que la collection, déjà, c'était un stade. Je n'ai pas commencé du tout par la collection. J'ai commencé par une recherche sur qui était supposée de répondre à une question plutôt philosophique, d'ailleurs, qu'historique. Comment se fait-il que nous
prétendions avoir une connaissance du passé. J'ai dit bien une connaissance du passé. C'était ça mon idée. Je me suis toujours intéressé à l'histoire, mais je me suis intéressé à l'histoire à la fois en praticien, dit-il, mais aussi en quelqu'un pour qui l'histoire est un problème. Elle est faite qu'on prétende savoir que s'est-il passé au XIIe siècle ou au Paléolithique. C'était une question qui me turlupinait, à vrai dire, je ne sais pas, depuis très très longtemps, depuis ma jeunesse, depuis le temps de mes études. Et en fait, c'est à partir des tentatives de répondre à cette question, en prenant conscience du fait que la bonne réponse n'est pas en termes épistémologiques, mais en termes historiques, sans oublier les exigences de l'épistémologie par ailleurs, c'est à partir de là que petit à petit je me suis tout à coup trouvé obligé de m'intéresser aux collections. La suite, en effet, les musées est arrivé par la suite. Mais comme je dis, un peu à mon corps défendant. Alors, 20 ans d'écriture, c'est peu et c'est beaucoup quand on voit l'étendue, le cadre chronologique exceptionnel de l'Antiquité, on peut dire, jusqu'à aujourd'hui. Ce sera le sujet de votre prochain tome. Nous étions nombreux à penser que le musée était né, moi par exemple, avec la Révolution et avec le Louvre. Or, il n'en est rien, dites-vous. Le musée est né en Italie en 1471, d'abord à Rome pour une collection d'antiques, et ensuite, un peu plus tard, au XVIe siècle, à Florence, avec le premier musée d'art contemporain. Racontez-nous cette aventure du musée. Je suis très, très endetté sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, auprès d'un certain nombre des grands savants du XIXe siècle, comme Münz, comme Michaelis, comme quelques autres. Et là aussi, le fait de m'intéresser à l'histoire des moyens de connaître le passé, et notamment ici l'archéologie entre pleinement dans ce champ, c'était aussi ce qui m'a sensibilisé d'emblée à cette naissance du musée à partir de la collection dans l'Italie de la Renaissance. Là, je suis tout à fait dans la suite, je pense, de ces grands savants qui étaient Münz et Michaelis, surtout ces deux-là. Rimé Labrusse, vous avez trouvé, je crois, ce livre formidable, comme nous tous. Toutefois, vous n'êtes pas d'accord avec tout, surtout sur la place attribuée peut-être à la Révolution française, qui est plus importante peut-être pour vous dans l'histoire des musées, dans l'histoire de la naissance du musée. Non, si je comprends bien la question, qu'est-ce qui est important dans la naissance, la renaissance ou la deuxième naissance révolutionnaire du musée, c'est qu'il en sort très différent de ce qu'il a été. Il restera encore très longtemps élitiste. Il ne faut pas s'imaginer que la Révolution a ouvert largement les portes du musée au peuple. Elle lui a ouvert les portes du musée une fois par semaine pour qu'il ne dérange pas ceux qui en étaient les principaux consommateurs, c'est-à-dire les copistes. Curieusement, d'ailleurs, personne n'a jamais pensé à l'époque que les étrangers qui avaient, eux, droit, en montrant leur passeport, de venir au musée quand ils voulaient, pouvaient déranger les copistes, tandis que les indigènes, visiblement, les dérangeaient d'une manière tout à fait particulière. Reste que l'ouverture du Louvre date d'après la Révolution de 1848, la vraie ouverture du Louvre pleinement, mais que la Révolution française refonde d'une certaine manière les musées. La Révolution est Napoléon.
Je ne sais pas s'il est encore permis de citer ce nom aujourd'hui en public, mais en dehors de plusieurs choses qu'il a faites, il a fait aussi il a signé un célèbre document qui établissait en France plusieurs, je ne vais pas donner le nombre parce que je suis sûr de me tromper en parlant de mémoire, mais en tout cas une quinzaine des musées de Provence à côté du Louvre, et qui a évidemment aidé le Louvre à devenir cette institution de légende qu'il est devenu, en mettant ce qui est un cas digne de mention, l'armée française au service du bureau d'acquisition du Louvre. Elle a travaillé de ce point de vue-là d'une manière qui n'avait peut-être pas grand-chose à voir avec les normes éthiques et même avec la conscience juridique du XVIIIe siècle. Parce que le XVIIIe siècle avait déjà une conscience juridique suffisamment développée pour être contre les pillages des œuvres d'art. Donc, d'abord, on ne pillait pas les œuvres d'art parce qu'on signait des traités qui transféraient juridiquement ces œuvres d'art. Denon, dans un moment rare chez lui, d'éclipse de l'intelligence, voulait même citer ça pour défendre son Louvre. Il était prêt à tout à cet égard. Ce n'était pas très éthique, mais au moins était-ce techniquement bien fait, c'est-à-dire il n'y a pas eu de dégâts. Les commissions qui s'occupaient de l'emballage étaient composées de gens comme Monge, donc on ne trouve pas mieux. Ils ont procédé en envoyant les antiquités de Rome, qui étaient particulièrement évidemment importantes. Ils se sont souciés de procéder pendant quelques mois à une recherche météorologique sur les tempêtes dans cette partie de la Méditerranée pour voir quelle est la probabilité maximale d'avoir du temps calme entre Livourne et Marseille quand on transportait les œuvres d'art. Bon. De ce point de vue-là, on ne peut qu'être admiratif. Pour le reste, il a fallu rendre ses œuvres, et c'est tant mieux comme ça. Mais leur voyage dans les deux sens, leur présence au Louvre pendant un certain temps, tout cela a créé autour du musée, pas seulement autour du Louvre, une sorte d'aura très, très particulière. Donc, deuxième naissance, Rémy Labruce. Je crois que vous avez quelques points de désaccord, et peut-être non, sur les moments de crise ou de temps d'harmonie sociale et économique, dites-vous, d'opposition. Je sais pas si ça marche, oui. Voilà, ouais. Non, désaccord, je ne sais pas. Oui, enfin, disons une autre voie d'analyse ou de réflexion, mais qui rejoint en fait ce qu'a restitué Christophe Pomian dans son livre. Je pense qu'une des choses que moi j'ai apprécié comme vous, comme la révélation d'un roman dans le livre de Christophe Pomian, c'est l'ouverture d'une histoire longue qui montre que rien ne naît de rien et que ce qu'on a considéré à partir de la Révolution, effectivement, comme l'affaire de tous, ce qui était un peu le centre symbolique de nos sociétés, avait ses origines, en effet, au début de la modernité, c'est-à-dire au XVIe siècle en Europe et d'abord en Italie. Et ça, c'est une chose très importante, je pense, qui nous est vraiment révélée par les faits et par la profusion des faits dans le livre de Christophe Pomian. La différence, disons que c'est pas une différence, c'est plutôt finalement une variation ou un approfondissement ou une suggestion, disons, que j'apporterais, c'est de dire qu'il y a deux éléments différents. Il y a l'élément matériel du musée, la construction d'une collection. Et cet élément matériel, en effet, la Révolution française n'y a pas changé grand-chose. L'idée des collections universelles, comme l'a magnifiquement montré l'histoire mondiale du musée, était déjà constituée.
Il y a aussi l'idée de musée, l'idée de rassembler l'ensemble du monde, le macrocosme dans un microcosme, de faire le tout du savoir à travers des objets. Ça aussi, c'est une idée qui n'a rien de nouveau et que le Louvre n'a pas inventé. En revanche, ce qui me semble nouveau, c'est la valeur symbolique qu'acquiert cette entreprise. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il me semble que jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1793, donc en fait plutôt que 1789, le musée n'est pas le cœur symbolique de toute une société. Et à partir de la Révolution, ça devient un axe, et un axe qui est l'affaire de tout le monde, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Mais tout le monde a les yeux tournés vers cette étrange institution, comme vous le dites si bien dès le début de votre livre, cette institution qui était faite plutôt pour stupéfier et pour étonner que pour fédérer, et qui devient, dans la modernité industrielle, la valeur de référence de cette grande pliure, au bout du compte, ce grand changement radical de notre monde environnant, qui est donc la révolution industrielle. Donc pour le dire en fait en un mot, il me semble que si le musée est vraiment différent à partir de la fin du XVIIIe siècle, c'est parce qu'il est l'incarnation symbolique pour tout le monde de la société industrielle, plutôt que le résultat de la Révolution française comme événement singulier. Alors, avant de poursuivre, vous allez publier en novembre prochain, dans la revue Critique, un texte intitulé « Le musée, douceur et désastre ». Et nous nous sommes procurés ce texte en avant-première et je propose d'en lire un extrait par Étienne Ambrosi. Écoutez bien. Imaginons la disparition des musées. Progressivement, mais de plus en plus rapidement, au fil des années, le nombre d'œuvres présentées dans les grands musées qui attirent les foules diminuerait. Les anciennes salles seraient concurrencées par des espaces d'interprétation, peuplés d'écrans. Il y aurait des radiographies, des agrandissements numériques, des textes placardés et des films explicatifs, des jeux sérieux, peut-être des casques de réalité virtuelle. Souvent, les murs s'animeraient de projections à grande échelle, accompagnées de musique. Et là où subsisteraient encore quelques œuvres phares, annoncées et iconisées par toutes sortes de reproductions, l'acte rituel de la visite, en ordre de marche, devant les cadres et les vitrines, réserverait une faible place à l'attention du regard, désormais relayé par les téléphones. En revanche, on proposerait aux visiteurs toujours plus d'événements, danse, performances théâtrales, concerts, projections mouvantes en surimpression. Puis un jour, on s'émouvrait à peine qu'à l'occasion d'une péripétie de gestion, les responsables aient ôté la dernière œuvre, le dernier artefact, disons, authentique, et les remplacer par le chatoiement technologique inédit d'un avatar 3D. Pendant ce temps, les objets n'auraient pas disparu. Ils auraient seulement regagné les réserves ou comme des effigies sacrées dans la chela d'un temple antique ou comme les lingots dans les coffres d'une banque d'État, leur présence cachée exercerait sa fonction de garantie, légitimant l'accomplissement de fonctions rituelles et en l'occurrence, le déploiement au grand jour du spectacle de leur succédané numérique. Dans leur retrait, les œuvres dormiraient, inaccessibles, oubliées, empaquetées, pas même poussiéreuses, dans l'attente de quelques catastrophes extrêmes qui, du reste, les épargneraient peut-être encore, tant leur scellement aurait été soigneusement façonné, alors que le monde alentour ne serait plus que ruine. Dans les plus petits musées, soit dit en passant, on n'aurait pas toujours eu besoin de cette relégation du réel dans des souterrains. Les salles, qui n'avaient jamais été vraiment fréquentées, aurait été assez rapidement déserté par le dernier groupe scolaire, faute de budget pour y mettre en marche le spectacle des interprétations virtuelles. Waouh ! Ce que vous écrivez est terrifiant, non ? Non, pas du tout, non. Simplement, ça fait un peu vieux réactionnaire, quoi. Mais c'est pas ce que je voulais. Enfin, disons que le texte continue. Il n'est pas simplement ça, c'est un peu provoquant, disons, mais c'est-à-dire que ça pose une question et qui n'est pas une lamentation. Je ne voudrais pas donner l'impression que je déplore nostalgiquement un temps idéal où on pouvait se promener tranquillement dans des musées silencieux à admirer des œuvres réelles.
et qui auraient été remplacés aujourd'hui par des sortes de ce que Renzo Piano appelait des fun palaces, des palais du plaisir, de la jouissance, du spectacle, etc. Non, c'est pas ça. Simplement, je pense que effectivement, le musée, mais ça peut-être que Christophe Pomian et Nathalie pourront nous le dire mieux que moi certainement, le musée d'aujourd'hui traverse une crise. Il n'est plus le même que celui du début du 19e siècle. Et cette crise, on peut se poser la question de savoir si elle aboutira à la continuation, à la suppression ou à la transformation de cette institution. Je finis juste en un mot pour dire simplement qu'il me semble que le grand débat dans les musées, c'est celui entre sécularité et sacralité. C'est un lieu sacré, mais c'est un lieu sacré qui veut absolument promouvoir la valeur de la sécularité, de l'accès de tous à tout, de manière entièrement visible, à la différence du religieux qui cache, au contraire. Cette tension entre séculier et sacré, elle tend aujourd'hui à devenir instable. Je ne dis pas qu'elle disparaît, je dis qu'elle devient instable. On ne sait plus quoi en faire. Et donc, comme on ne sait plus quoi en faire, bah, ça donne une crise, quoi. Voilà. Nathalie Bondil, le musée est en crise, vraiment ? Vous qui le vivez au quotidien. Bon, alors, permettez-moi de ne pas être du tout être d'accord. J'espère. Oui, donc j'ai un fond profondément optimiste. Je crois que les musées sont en évolution, et c'est ainsi. Et c'est une institution assez récente, et qui continue donc à évoluer comme miroir de la société. Quand on parle de sécularité ou de sacralité, en tant que conservateur, le musée a une tension dynamique entre deux pôles. D'une part, la collection. Tout commence avec une collection. Un musée ne peut exister sans collection, sinon c'est une Kunsthal, c'est un lieu d'exposition. Donc la collection, c'est le cœur de tout, et c'est d'ailleurs à partir de la collection que toute cette histoire du musée commence, comme vous l'avez dit, avec les collections particulières. Mais cette collection-là, dès le départ, il y avait le phénomène d'ostentation, de monstration, que ce soit d'abord comme une collection de prestige ou un instrument national au service des nations, avec la Révolution française notamment, et ensuite comme valeur d'exemplarité, les copistes, le fait que l'on veuille faire des collections qui servent ensuite de référence à des métiers. Donc c'est le public. Ces collections doivent être montrées à des publics. Et ce mot public, il est pluriel. Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est ce que vous avez dit, au départ, les musées étaient accessibles uniquement à certains temps. Ensuite, donc, leur accès s'est démocratisé. Et je mets le mot entre guillemets parce que la démocratisation des musées est un thème qui durera encore longtemps. Le musée n'est pas en crise, à mon avis, parce que on voit énormément de nouveaux musées qui sont justifiés par différents propos, que ce soit des musées de collectionneurs privés, des phénomènes d'ostentation, que ce soit aussi beaucoup de musées nationaux. On le voit avec la restitution des œuvres du Quai Branly, qui vont partir vers le Bénin, avec la construction du musée des Amazones, etc., qui va les accueillir. Donc il y a énormément de nouveaux musées dans le monde qui continuent à se construire, et effectivement, tant que cette tension ne porte pas sur la collection, et là par contre on peut se poser la question sur le fait d'avoir une propriété inaliénable ou pas, de pouvoir restituer ou pas donc des collections, et en quoi cela impacte donc l'idée même du musée. Mais je crois que les publics étant de plus en plus diversifiés, tant qu'il y aura des collections, à ce moment-là, donc le musée va continuer à les préserver pour les générations à venir. Mais il n'y a pas le monologue d'une génération qui va s'imposer sur les autres. Chacune des générations amène une interprétation et des objets différentes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une saine évolution. Alors justement, M. Pomian, vous les avez calculés, ces musées, hein, la croissance exponentielle du musée depuis sa création. Vous dites, en 1471, date du premier, un musée. Entre 100 et 1000 musées entre 1790 et 1880, et entre 1960 et 2010, entre 10 000 et 80 000 musées. On peut aller jusqu'où comme ça? On peut encore construire combien de musées, M. Pomian? On peut d'ailleurs prolonger ça. Dernière statistique, 100 000.
Entre les moments où j'ai terminé mon premier volume, c'était en 2014-2015, et aujourd'hui, donc en l'espace de 7 ans, il y a à peu près au bas mot 20 000 musées qui se sont ajoutés. Je dis au bas mot parce qu'on ne va pas entrer ici dans les problèmes que pose la statistique des musées, mais je pense que ces 100 000 c'est aussi sont encore légèrement sous-évalués. Et c'est une bonne chose ? Je ne sais pas si c'est une bonne chose, et je dirais que mon réflexe d'historien n'est pas de dire que quelque chose est bon ou quelque chose n'est pas, mais de constater d'abord ce qui est en train de se passer. Vous avez tout à fait raison, Nathalie, en parlant de ces différents musées qui sont en train de naître sous nos yeux, d'ailleurs, parce que c'est extrêmement diversifié. Et je peux répondre à la question, est-ce une bonne chose ? Je n'en sais rien. Mais visiblement, les gens ont besoin de créer des musées, puisqu'ils les créent. Certains de ces musées probablement ne survivront pas, et nous voyons d'ailleurs, on peut voir sur plusieurs exemples, cette sorte de sélection naturelle qui s'opère. Mais il en reste quand même beaucoup. N'est-ce pas l'un des symptômes, Rémi Labrusse, de la crise dont vous parlez, des musées, cette... Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la croissance quantitative ne signifie pas forcément le maintien de la valeur qualitative du musée. Hein, ça peut même être un symptôme, justement, de crise. Plus il y en a, plus ça montre qu'on ne sait pas trop comment en créer un qui soit une référence, disons, consensuelle, quelque chose qui puisse réunir la vie de tous et être du coup un petit peu quand même, c'est-à-dire que disons, tu sais, des processus, peut imaginer des processus de finalement de prolifération presque, j'ose à peine dire le mot, mais cancéreuse, vous voyez, où ça augmente, il y en a partout, mais on ne sait pas quoi en faire. Voilà, on ne sait pas quoi en faire. Donc non, je pose simplement la question. Je dis en tout cas augmentation quantitative ne signifie pas forcément amélioration qualitative. Alors, en fait, c'est plus sur une vision de ce que l'on considère donc être muséal en termes de collection. Au départ, donc, on a imaginé donc les collections soit sous l'angle des cabinets d'histoire naturelle, soit sous l'angle des beaux-arts, si je puis dire, en résumant. Et puis ensuite, donc, surtout au 19e, avec des objets d'art industriel, on a commencé à faire de nouveaux musées, à Londres notamment. Et enfin, donc, au 20e siècle, on a vu une prolifération de nouveaux musées, qui étaient les musées de société, qui ont élargi énormément le champ de ce qui pouvait être patrimonialisé, entre guillemets. Donc c'est vrai que la question qualitative, elle n'est pas tant sur ce qu'est la collection, le fond du musée, qui peut être extrêmement diversifié, et qui s'est d'ailleurs beaucoup diversifié, des musées de cinéma, des musées de costumes, des musées de photographie, toutes sortes de supports qui n'étaient pas auparavant considérés comme étant dignes d'aller dans un musée. Mais ensuite, c'est plus la façon dont ces musées conservent, étudient et mettent à la disposition des publics ces collections que je jugerais de la qualité d'un musée. Et évidemment, donc de la qualité des collections. Mais en même temps, on peut voir une collection au Conservatoire des Arts et Métiers qui est tout à fait remarquable, mais qui n'a rien à voir avec la sacralité que l'on pourrait donner à des tableaux ou à des sculptures, par exemple. Le champ des collections est extrêmement large et continue à s'élargir. Monsieur Pomian, le musée peut-il mourir un jour ? Puisqu'on parle de cellules cancéreuses, est-ce qu'il peut disparaître ? Pardonnez-moi, mais c'est mon problème. Le musée, oui, peut-il mourir un jour ? Est-ce que le musée peut disparaître, l'institution ? J'ai un problème d'audition. Excusez-moi. Le musée peut-il mourir un jour ? Peut-il disparaître ? Il est né en 1471. Oui. Est-ce qu'un jour, on pourra malheureusement dater la date de la fin ? Non, la réponse généralement philosophique est que toutes les choses humaines sont frappées au coin de la finitude.
Et ça, c'est une vérité fort ancienne, aussi vieille que la philosophie, je pense. L'homme est un être fini et tout ce qu'il produit est fini. Donc, les musées ne font pas exception à la règle. Mais c'est une réponse qui, en même temps, dans sa généralité extrême, ne paraît pas satisfaisante. Si on essaye de la concrétiser et de se demander est-ce que dans les sociétés, dans la société humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui, telle qu'elle existe réellement aujourd'hui, il existe des potentialités dont le développement, dont la réalisation pourrait aboutir à la mort du musée en tant qu'un type de collection particulière et donc des musées au pluriel tels qu'ils existent, ma réponse serait oui, de telles potentialités à l'intérieur de nos sociétés existent. Donc, le musée est une institution mortelle, non seulement comme le sont, encore une fois, toutes les inventions humaines, mais certains mauvais nuages commencent à s'accumuler au-dessus de sa tête. Alors, la critique des musées, les débats autour du musée ne sont pas nouveaux. Et pour s'en convaincre, Étienne Ambrosi va nous lire un passage de votre livre consacré à quatre maires de Quincy. Personnages, j'ai parlé de romans tout à l'heure, il y a énormément de personnages, Alexandre Lenoir, vivant de nom, et quatre maires de Quincy, un personnage passionnant. On vous écoute, Étienne. Au vu des conditions dans lesquelles, selon quatre maires de Quincy, les œuvres doivent être appréhendées pour exercer la plénitude de leur effet et former de la sorte un public à même de stimuler l'ardeur des artistes et rendre possible la production des chefs-d'œuvre, on comprend sa condamnation des collections et des musées. Car les œuvres qu'on y expose sont privées de leur finalité d'origine, à moins qu'elles n'aient, ce qui est pire, pour seule finalité que d'être des objets de cabinet. Elles sont arrachées à leur contexte, partant à toutes les circonstances physiques et morales qui les mettent en valeur. À la place de la sensation pleine, tranquille et entière qui naît d'un bel ouvrage, vu seul dans un local approprié à son objet, elles produisent, par leur nombre même, des impressions froissées, rompues, incohérentes. Et elles perdent, une fois restaurées, le charme que leur conférait l'apparence de la vétusté. Entre les collections et les musées, d'un côté, et la création artistique, de l'autre, l'incompatibilité est donc totale. Les premiers tuent la seconde. Rien d'étonnant à ce que les chefs-d'œuvre aient disparu depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis 1790, à partir du moment où, comme le dit quatre maires de Quincy, on s'est mis à décomposer les monuments pour en recueillir les débris dans ces dépôts appelés conservatoires. Voici dans un autre bilan de la période, opposé à celui de Denon, pour qui seule l'école française reste vivante en Europe, et qui glorifie le Louvre, exemple pour quatre maires de Quincy, de ses réceptacles de ruines factices, de ses ateliers de démolition, dont on vante en vain l'ordre et l'arrangement. Pourtant, nous l'avons vu, quatre maires de Quincy ne va pas jusqu'à proposer de fermer les musées en général, ni même les musées d'art. Il voudrait seulement les remettre à leur place. Il sait qu'ils sont indispensables, tant pour protéger les œuvres que pour en ouvrir l'accès aux étudiants et au public, et que l'on peut les transformer de manière que leurs avantages contrebalancent leurs effets négatifs. La conformité à l'image d'un musée d'art idéal que son livre dessine en filigrane aurait réconcilié cette institution avec l'art en train de se faire, l'aurait même mise à son service. Les temples de la vanité nationale, remplis d'un nombre toujours plus grand d'œuvres rapportées de partout dans le cadre des rivalités de prestige entre États, devraient ainsi laisser la place à de petits établissements consacrés à un artiste ou à une école et permettant de s'imprégner de leur esprit. À des établissements qui s'adressent non pas à la raison, mais aux sentiments et à l'imagination des visiteurs, qui veulent non pas convaincre, mais émouvoir, qui vise non pas les savants, mais les artistes et les amateurs d'art au sens le plus fort de ce terme. Il faudrait chaque fois, quand c'est possible, laisser les œuvres dans les lieux mêmes auxquels elles étaient destinées, intégrées dans des ensembles dont elles faisaient partie à l'origine et entourées des manifestations de la ferveur collective.
Quatre Mères de Quincy a eu des émules surtout parmi les artistes d'avant-garde et leurs alliés parmi les critiques d'art. Que de fois, surtout en France, n'a-t-on brandi après lui le lieu commun du musée Cimetière d'art ? Que de fois n'a-t-on constaté son divorce avec l'art vivant ? Que de fois n'a-t-on annoncé avec joie sa mort imminente suite à la désaffectation du public ? Mais ces voix sont restées vaines. Les musées sortaient de chaque crise plus riches et plus nombreux que jamais, avec un nombre de visiteurs en augmentation. L'histoire a donné victoire à Vivant Denon et à Alexandre Lenoir. Merci Étienne. Les musées des cimetières qui tuent la création. Nathalie Bandil, j'imagine que vous n'êtes absolument pas d'accord. Et j'ai même l'impression que, au contraire, les musées essayent de réactiver les œuvres aujourd'hui, que ce soit par exemple les œuvres qui ont dansé, d'art premier par exemple, mais il y a d'autres problématiques qui se posent. Les musées sont des lieux de conservation de la création, ancienne ou contemporaine. Quand j'entends Quatre Mères de Quincy, je trouve ça intéressant parce que finalement, il fait un hommage à ce que nous pourrions trouver ici, les ateliers Bourdel ou l'atelier Gustave Moreau, qui sont des lieux de création centrés autour d'un artiste. Et en fait, ces lieux de création qui sont conservés merveilleusement sont tout à fait dans le droit fil de ce que Quatre Mères de Quincy souhaitait. En même temps, c'est intéressant parce que Quatre Mères de Quincy, finalement, va à l'encontre de l'idée de l'universalisme dans un musée, c'est ce que vous dites. Et quand on l'entend, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir à toutes les revendications qui sont faites par d'autres pays qui, justement, souhaiteraient voir des parties de leur patrimoine archéologique qui ont été pillées ou collectées et qu'ils souhaitent donc pouvoir récupérer pour, justement, pouvoir les montrer dans leur territoire. Et c'est vraiment une conception très proche de celle de Quatre Mères de Quincy que celle que l'on vit en ce moment au XXIe siècle avec toutes les demandes de restitution. En fait, je dirais que le musée est plutôt donc le lieu d'impermanence des regards sur la permanence des collections. Ça, par contre, je crois que c'est réel, c'est-à-dire que le regard que les historiens d'art, les conservateurs, les érudits ont porté donc sur ces collections a évolué considérablement, je dirais, pour caricaturer d'une façon très taxonomique, très verticalisée, à une vision beaucoup plus transversale. Et c'est peut-être là où la création rentre en jeu, parce qu'on ouvre donc l'objet autour de différentes perspectives, on apporte une diversité plurielle sur sa sémantique, et c'est ce qui fait que nos regards sur les objets continuent d'évoluer, alors que les collections, elles, sont destinées à être pérennes. Rémi Labrusse, Christophe Pomian, quelqu'un veut réagir ? Christophe ? Vous voulez réagir à l'intervention de Nathalie ? Pas pour le moment. Rémi ? Oui, enfin, je sais pas, non, pas vraiment en fait. je pense que ce qu'a dit Nathalie sur effectivement la permanence des collections et l'impermanence des regards, c'est très juste. Et un musée, en fait, c'est aussi. Exactement, il est fait des regards qui sont portés sur lui. Donc voilà, effectivement, donc du point de vue de la matérialité, c'est-à-dire des collections en tant que telles, le musée, en effet, a une sorte de pérennité qui assure, du coup, son action successive de génération en génération dans des sociétés complètement différentes. Mais le musée est fait aussi, et peut-être plus encore, de la manière dont on agit avec lui, de la manière dont on donne sens à la réalité autour de lui grâce à ces mêmes collections. Donc, en effet, il y a une impermanence des regards et c'est vrai que les restitutions aujourd'hui sont la preuve, il me semble, au-delà même des problématiques directement liées à la réparation du traumatisme colonial, sont la preuve, je pense, d'une sorte de sentiment diffus chez tout un chacun que le musée est le produit en soi, quoi qu'il arrive, de violence. Et qu'il y a sous toute collection, du fait même qu'elle est le résultat d'une appropriation, de quelque manière que cette appropriation ait eu lieu, une forme de... alors, de violence, d'injustice, de conflit. Les mots, évidemment, doivent varier selon les situations. Mais il y a toujours cette sorte de doute que, sous le couvert de la beauté des images, couvre en quelque sorte une situation de
en fait de spoliation, hein, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. Et il y a ce sentiment-là, je pense, chez tout le monde, beaucoup chez des jeunes générations, d'ailleurs, qui fait que l'idée de restitution, du coup, dépasse largement le fait très terrible, terrifiant aussi, bien sûr, de la des spoliations coloniales, et vient toucher en soi le principe même de la collection. L'idée même de collection matérielle, d'accumulation de biens, et ce rêve, cette utopie, ou peut-être aussi d'un certain point ce cauchemar de l'investissement symbolique maximal dans un trésor, en fait, ou au bout du compte, enfin, vous ne diriez pas trésor vous-même sans doute, hein, mais en tout cas une accumulation de biens matériels. Donc le musée est presque plus un objet politique avant d'être esthétique. Vous parliez des conquêtes napoléoniennes tout à l'heure, vous parlez des restitutions aujourd'hui, des œuvres au Bénin par exemple. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Rémi en parlant du musée de la violence, parce que nous n'y pensons pas assez. Je pense que peut-être mon livre n'est pas non plus tout à fait satisfaisant si on les regarde sous cet angle. Mais en effet, l'histoire du musée est inséparable de l'histoire de la violence. Et on a besoin de chercher cette violence dans l'expansion coloniale où elle était présente et au combien et au comment. Mais toute l'histoire de l'accaparement, en particulier de la transformation de l'art de l'église dans l'art des musées, est en fait une histoire de la violence. Ça ne s'est passé pas. Inutile de le dire, surtout en France, où on se souvient à la fois de la nationalisation des biens du clergé et du problème très complexe ensuite des rapports entre l'État et l'église concernant les patrimoines ecclésiastiques. Mais c'est vrai à peu près partout. Les musées directement liés dans les pays nordiques à la réforme, et la réforme c'était un énorme acte d'expropriation violente, sans parler de toutes les autres formes de violence qui l'accompagnaient. Les musées en France se développent justement dans le contexte de la nationalisation des biens du clergé et des biens des ci-devants émigrés, etc., de la ci-devant famille Capet, et c'est un peu partout pareil. Et puis je dirais aussi qu'en ce moment, on a l'exposition Morozov à la Fondation Vuitton, donc il y a aussi une collection qui a été nationalisée. Et ce sont des biens que l'on peut prêter ici en France, mais donc les musées russes et l'État russe ne prêtent pas en Amérique du Nord, pour éviter que les œuvres ne soient saisies. Donc vous avez raison, c'est une histoire de nationalisation très ancienne jusqu'à très récemment. Cela dit, je veux quand même nuancer, parce que ça serait quand même terrible de faire l'équation musée égale violence concernant les collections. Il y a beaucoup de collections qui ont été acquises, il y a eu beaucoup de commandes, il y a eu beaucoup de dons, et donc heureusement donc, la plupart des musées sont aussi donc, des lieux de sauvegarde donc, pour que donc, ces objets qui ont été aimés, qui ont été acquis et ensuite offerts, puissent être conservés à la vue des générations. Alors, cette histoire existe, effectivement, il faut la regarder de face, mais donc, elle ne peut pas résumer donc, les collections dans les musées, fort heureusement. Oui, je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec ce que vous dites à propos du rôle des donations et de toute une série d'actes volontaires dans la constitution des collections muséales. C'est tout à fait incontestable, c'est extrêmement important. Je ne voudrais surtout pas, évidemment, réduire toute l'histoire des musées à l'histoire de la violence. Ce que je voulais dire, c'est ce que l'histoire, toute l'histoire humaine est hélas l'histoire de la violence. Et elle est comme ça. Et que, notamment, l'histoire européenne, depuis le XVe siècle, avec toutes les transformations économiques, sociales, culturelles qui se produisent pendant cette époque,
est une histoire où, en effet, la violence est constamment présente. Donc, de ce point de vue-là, les musées n'est absolument pas exceptionnel. Je dirais même que si on veut vraiment voir la violence, il faut s'adresser ailleurs. Le musée n'est absolument pas fermé, contrairement à ce qu'on peut penser, finalement, au monde, aux problématiques du monde. Je parlais d'institutions politiques. Vous sentez cette pression, cette tension, où vous devez répondre à cette tension de la société. Aujourd'hui, on pourrait dire, je ne sais pas, ce sont des questions communautaires qui peuvent, de communauté, pardon, qui peuvent se poser, des questions de genre, des questions de violence également. Pourquoi pas, vous sentez cette pression ? Non, je pense que le musée n'est pas un coffre-fort, n'est pas un temple inaccessible. C'est un lieu où l'on présente des collections au public. C'est extrêmement important de comprendre qu'un musée est un lieu où les collections des biens matériels sont exposées à des publics. Et la question de cette accessibilité-là est absolument centrale dans ce qu'est la définition même du musée, quelle que soit toute les définitions que l'ICOM est en train d'échafauder. Donc c'est vraiment le cœur du réacteur. Alors ces publics changent. Ces publics appartiennent à des sociétés qui sont en constante évolution, qui traversent des réflexions, des débats, des crises, des enjeux. Et bien entendu, parce que nous sommes en relation avec ces publics, parce que ces publics sont invités dans les musées, donc nous sommes toujours dans ce dialogue et c'est ce qui fait qu'il y a cette impermanence des regards sur les collections permanentes parce que nous sommes un miroir avec cette porosité qu'est le musée, une institution qui est perméable à son époque, à son territoire, je dirais qu'il y a une dimension très local, c'est-à-dire à la fois global et en même temps local. Et je pense que ce n'est pas une pression, c'est tout simplement une façon de pouvoir être dans son temps et de pouvoir vivre avec son temps pour garder la pertinence de l'institution. Parce que là, vous avez raison, nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels, disait Paul Valéry. Et si nous voulons que ces musées, que ces collections, que nous avons tellement à cœur, il faut comprendre que conserver des collections, c'est extraordinaire, c'est une vocation. Et si on veut que ces collections gardent leur pertinence, si on veut que ces œuvres soient aussi intéressantes pour les générations futures, puisque notre rôle, c'est vraiment d'être des passeurs, eh bien, c'est à nous de continuer à allumer cette flamme, à montrer comment ces œuvres sont toujours passionnantes, comment elles peuvent porter en elles des milliers d'histoires. Il y a des faits, ce sont les objets, et il y a des milliers d'histoires. Et nous, nous sommes ces passeurs-là, donc nous ouvrons vers cette diversité des histoires à raconter autour des objets. Rémi, vous voulez réagir ? Oui, effectivement, oui. Je pense que si le musée est politique, en fait, je rebondis aussi, finalement, je réponds comme Nathalie, mais en répondant à votre question, si le musée est politique, c'est parce qu'il est la scène symbolique majeure sur laquelle la modernité prend conscience de ses propres contradictions et les vit non seulement intellectuellement mais affectivement dans un espace dans un processus d'expérience affective, d'expérience émotionnelle. Mais elle vit pas simplement quelque chose d'univoque, pas une sorte d'extase esthétique fermée sur elle-même, elle le vit de manière conflictuelle ou en tout cas dialectique. À partir du moment où il n'y aura plus cette sorte de tension dialectique à l'intérieur du musée, d'interrogation qui est portée par l'espace lui-même et par les collections sur la place de la matérialité dans notre vie, sur la place de la visibilité, sur ce qu'il faut voir et ne pas voir, sur la manière de le voir ou la manière de ne pas pouvoir le voir, à partir du moment où il n'y aura plus cela, il n'y aura vraiment plus de musée. C'est dans cette dimension dynamique d'interrogation sur soi-même que le musée devient une institution politique à laquelle on est attaché. Et pour rebondir sur la question du politique, au sens étymologique du terme, être politique, c'est faire sens dans la cité. Donc évidemment, ce n'est pas d'être partisan, mais c'est de faire sens dans la cité. Donc comment un musée va faire sens dans la cité où il s'inscrit ? Et ce sens-là,
Donc, il s'exprime par les historiens d'art, par donc, le discours des experts qui ont une vraie connaissance donc, des objets et qui est absolument indispensable et essentiel, mais il peut s'élargir à d'autres voies. Et c'est ça qui est bien important en ce moment, parce qu'il y a un sentiment de menace de certains experts, de certains historiens, donc, qui pensent que leur discipline, que leur savoir donc, est menacée par les autres voies qui aussi se posent sur l'objet. Et moi, je crois que, oui, il y a donc ce discours de l'histoire de l'art, mais le monologue de l'histoire de l'art ne peut pas suffire. Il y a bien d'autres histoires à raconter, parce que les objets ont une histoire technique, ont une histoire sociale, donc, et portent en eux énormément d'autres impacts, je dirais même neuroscientifiques, par exemple, puisque je m'intéresse à la muséothérapie. Alors, voilà, c'est de pouvoir élargir cette sémantique autour de l'œuvre qui me semble être très importante à l'heure actuelle et au XXIe siècle. Alors avant de passer la parole à Ilaria Andreoli pour son coup de cœur, puisqu'on défend les livres aujourd'hui, donc nous allons vous présenter un coup de cœur, j'aimerais vous poser une dernière question, Monsieur Pomian. Ce n'est pas moi qui vous la pose, c'est Monsieur Philippe de Montebello qui a été l'un des grands conservateurs, les grands directeurs de nos musées, qui a dirigé le Met pendant le Metropolitan Museum à New York pendant de nombreuses années, et qui pose dans un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « La magie du musée » avec l'artiste Alejandro Jodorowsky et Donatien Gros, qui pose cette question. Une des questions les plus importantes qu'il faut se poser est « Pourquoi le musée existe-t-il ? Pourquoi l'homme l'a-t-il inventé ? C'est une invention, il n'y avait pas de musée. Que s'est-il passé ? Quelle était cette nécessité absolue d'avoir des musées ?» Autrement dit, ça revient à poser la question, en quoi, pour vous, les musées sont-ils essentiels? Pourquoi faut-il les protéger? Alors, c'est une question qui ne comporte pas une réponse, si j'ose dire, en une phrase. Parce que les musées sont essentiels à des degrés différents et pour des raisons différentes dans le cours de leur histoire. C'est-à-dire l'essentialité du musée pour... les humanistes italiens du XVe siècle, pour qui un musée, c'était en fait un temple où on pouvait rendre, célébrer les cultes de l'Antiquité sans entrer en conflit avec l'Église catholique, dont ces mêmes humanistes étaient par ailleurs des fidèles tout à fait convaincus. Pour eux, les musées étaient essentiels pour cette raison. Pour nous, il est essentiel pour des raisons, je pense, tout à fait différentes, où des considérations politiques, au sens profond du terme, entrent pour beaucoup. Les musées sont une propriété collective, et cette appropriation par la collectivité, en l'occurrence par la collectivité nationale, mais aussi par des collectivités régionales, locales, et aujourd'hui, ça commence à s'amorcer par cette sorte de collectivité que l'Europe, et peut-être un jour, ça prendra beaucoup de temps avant que ça s'étende encore vers l'humanité, quand on regarde un peu l'histoire, on voit qu'avant même de nationaliser beaucoup d'autres choses, on essayait d'abord de nationaliser justement les œuvres d'art, ou plus largement ce que je me suis permis un jour d'appeler sémiophores, c'est-à-dire tous les objets qui portent des signes, qui portent des significations socialement perceptibles. Les musées sont donc essentiels pour nous, parce qu'en tant que collectivité, nous ne pouvons pas normalement exister si les musées n'existent pas. Merci Ilaria Andreoli, merci Monsieur Pomian.
Je vous invite à nous rejoindre et à prendre un micro. Vous êtes coordinatrice scientifique à l'INHA. C'est vous qui êtes en charge du programme sur l'histoire du fonds Jacques Doucet, à l'origine de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Vous avez choisi de partager un coup de cœur avec nous, un coup de cœur assez étonnant puisqu'il sort de votre domaine habituel. Il s'agit de la parution chez Thames & Son de l'article de Linda Nochlin, qui avait fait beaucoup parler de lui en 1971, quand il était publié dans une revue. Son titre, « Pourquoi n'y a-t-il pas de grands artistes femmes ?» On vous écoute, Hilaria. Merci beaucoup. Alors, mon coup de cœur, c'est un coup de gueule de Linda Nochlin, historienne et critique d'art et commissaire d'exposition, née à Brooklyn en 1931, éduquée à Vassar College, qui était encore exclusivement féminin à son époque, puis à Columbia et à l'Institute of Fine Arts de New York, et qui nous a quittés en 2017. L'effervescence des mouvements féministes à la fin des années 60 et l'étonnement d'un ami galériste qui voulait exposer des femmes artistes mais qui s'interrogeait sur le fait qu'il n'y en avait pas de grandes artistes femmes l'ont conduite à écrire l'article pour un numéro spécial de la revue Art News consacré à la libération de la femme, les femmes artistes et l'histoire de l'art. Donc, « Why have there been no great women artists ?» Pourquoi n'y a-t-il pas de grands artistes femmes ? L'un des éléments clés du texte de 1971 réside dans sa manière de répondre à la question du titre. Dans sa version originale, après la reproduction de la Judith des Capitans Holofernes de Artemisia Gentileschi, la phrase suivante figure à l'introduction de l'article. Conséquence du Women Liberation Movement pour l'histoire de l'art et la scène artistique contemporaine ou comment les questions bêtes nécessitent de longues réponses. Ces mots résument un élément essentiel de l'argumentation de Linda Nochlin. Le titre est une question bête. Dans le corps du texte, elle explique qu'il ne faut pas prendre cette question au premier degré et qu'il faut plutôt interroger ses sous-entendus. Le terme de femme artiste est une construction historique, au même titre que celui de grand artiste. Ceci l'amène à son argument central, la créativité est le résultat du soutien familial, social, institutionnel et éducatif, plutôt qu'un mystérieux germe du génie et du talent. La création artistique survient dans certains paysages sociaux dans lesquels on compte la transmission de l'activité artistique de père en fils, les académies, les systèmes de mécénat, mais aussi les mythologies sur le créateur divinisé et sur l'artiste comme super-héros, viril ou paria social. Après avoir fait tomber les bases branlantes qui soutiennent les notions de grandeur immuable et réservée à l'homme blanc, notamment grâce à une analyse détaillée des moyens qu'ils ont tenus les femmes à l'écart d'une compétence technique essentielle aux artistes dès la Renaissance au XIXe siècle, les dessins après le modèle nu, Linda Nochlin s'attaque à l'exploration des voies de la réussite féminine, prenant comme cas d'étude l'artiste peintre du XIXe siècle, Rosa Bonheur. Linda Nochlin invalidait implicitement et surtout stratégiquement les moyens et les fins de l'histoire de l'art qui avaient eu cours jusqu'alors. Elle fournissait un paradigme pour la recherche dans d'autres champs du savoir. Non seulement elle paracheva la déconstruction, mais elle commença aussi la reconstruction. Tout pouvait désormais advenir car l'ancienne configuration de pensée était abrogée. 30 ans plus tard, en 2001, dans son essai du titre Dumasien « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?» 30 ans plus tard, Linda Nochlin est revenue sur son article en se réjouissant du fait qu'en ces 30 dernières années, les femmes artistes, les historiens de l'art et les femmes critiques d'art ont fait changer le discours et la production dans ces domaines. Et les nouveaux champs de recherche des études de genre, avec ses alliés qui sont les études coloniales, la théorie queer, les études afro-américaines, sont florissants. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes a imprégné la culture populaire au point d'apparaître sous des t-shirts marinières lors d'un défilé Dior en 2017, maison à la tête de laquelle avait été appelée pour la première fois depuis 70 ans une femme, Maria Grazia Curie, qui va d'ailleurs intervenir dans une séance pour les 20 ans de l'Institut national d'histoire de l'art, pendant que les publics choisis se voyaient offrir de beaux exemplaires reliés du texte de Linda Nochlin.
Après une polémique internationale, Nocklin avait fait savoir qu'elle avait donné son accord à la diffusion de son texte, sans compensation quelconque, à condition que la maison Dior sponsorisait l'exposition Women House à la Monnaie de Paris, qui exposait 40 artistes provenant du monde entier et qui fut ensuite présentée au National Museum of Women in the Arts à Washington. Republiée en occasion de ses 50 ans, chez son éditeur attitré, Time & Hudson, qui n'est pas une presse universitaire, qui se positionne bien sûr dans le champ de l'art, mais avant tout dans celui du livre illustré, sous toutes ses formes, et dont la ligne éditoriale est liée à l'image dans ses approches pluridisciplinaires, le livre, le petit livre, s'ouvre sur un exergue, la publication d'Histoire de l'art qui a changé le monde, citation de Judy Chicago, artiste américaine connue pour, parmi d'autres, l'œuvre The Dinner Party, une histoire symbolisée de femmes. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes et aussi un coup de cœur pour son écriture claire, érudite et souvent très drôle? Mais il est surtout un message qui s'avère toujours actuel et nécessaire aujourd'hui, puisque comme Linda Nocklin le disait encore en 2015, la route est longue pourtant, encore et toujours, et l'exercice de la critique doit rester au cœur de notre démarche. Il s'agit de dévoiler les structures et les opérations qui tendent à repousser certains types de productions artistiques à la marge, tandis qu'elles en mettent d'autres en avant, et de toujours poser des questions, en s'aimer la zizanie avec bonheur. Merci. Merci, Hilaria. Avant de vous laisser poser des questions à la librairie de la main qui est présente là-bas et de pouvoir dédicacer les ouvrages de nos intervenants. Puisqu'il s'agit de livres, je vais vous présenter rapidement quelques livres, quelques conseils. L'Alcazar de Simon Lamouret, c'est une bande dessinée. Nous aurons l'occasion en 2022 d'avoir un débat autour de la bande dessinée et de l'histoire de l'art. Là, le sujet, c'est sur l'Inde sociale et culturelle. Et c'est une bande dessinée qui vient de recevoir le prix Révélation de l'ADAGP avec Jean-Michel Alberola au jury. Un premier roman de Léa Chauvel-Lévy-Simon qui vient d'obtenir le prix Méo Comuzet et qui est un très beau premier roman qui raconte l'histoire de Simone Kahn, la première femme d'André Breton. Celui-ci, ce n'est pas un roman, c'est bien un essai historique, mais qui se lit comme un roman, puisqu'il a été écrit volontairement comme un roman, c'est « La chambre et l'intime » de Claire Aulagnier, qui raconte la fonction symbolique de la chambre au XVIIIe siècle. Alors la fonction symbolique, c'est le cérémonial, Versailles, le 22 décembre 1702, mais c'est aussi la mondanité, c'est aussi la famille, et c'est bien entendu le libertinage. C'est délicieux à lire. Un petit essai aussi, voilà, dans la collection dit de l'INHA, jeu de position sur quelques billards peints. Et oui, et quelques artistes ont représenté le billard. On se souvient de Vincent Van Gogh, mais il y a aussi Chardin, Edgar Degas, Jacqueline de Jonc. Voilà, c'est Victor Classe. Je vous recommande aussi la lecture de ce livre. Puisqu'on est sur les éditions de l'INHA également, Perspective Portugal et Espace Lusophone. Voilà, ce numéro consacré au transfert culturel entre le Portugal et les espaces lusophones, à savoir l'Angola, le Brésil, Macao, etc., etc. C'est passionnant, je vous le fais passer également. Et puisqu'on a parlé de musée, un musée éphémère chez au Louvre Édition et chez Marie Martin, le musée éphémère, le musée Napoléon III au Palais de l'Industrie, qui est écrit par un des conservateurs du Louvre et qui vous permettra de prolonger aussi sur d'autres questions, les questions que l'on a abordées à propos du musée de Napoléon III. Celui-ci, je vous en parle, catalogue d'exposition, c'est l'un des rescapés. Nathalie, cela vous dit quelque chose? Vous êtes spécialiste, vous aimez la sculpture. Et malheureusement, c'est l'une des expositions fantômes. Vous savez, les expositions qui n'ont pas pu ouvrir, qui ont été montées, qui ont été préparées, mais qui sont reparties dans leur caisse à cause du confinement. Voilà, elle devait ouvrir cette exposition, Gênes d'Audaigne, une rétrospective. Elle devait ouvrir au musée La Piscine, à Roubaix. Malheureusement, vous ne la verrez pas, mais heureusement, il reste le catalogue de Germain Isserle, qui est formidable, Nathalie acquiesce, et je vous le conseille fortement. Au passage, il a reçu au mois de juin, je crois, le prix FILAF, qui est un festival à Perpignan, qui défend le livre d'art. Voilà, nous ne sommes pas seuls à défendre le livre d'art. Et alors celui-ci, je vais avoir beaucoup de mal à porter d'une seule main, Antoine Coisevox, sculpteur du grand siècle, chez
Artena, pardon. Voilà, Nathalie Akiès. Et c'est un scoop, puisqu'il est annoncé en ce moment même qu'il vient d'obtenir le prix du SNA, le prix du livret d'art du SNA d'Alexandre Maral et de Valérie Carpentier. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Christophe Pommian, Rémi Labrusse, Nathalie Bondil. Merci aussi à Étienne Ambrosi pour la lecture des textes, qui est exercice difficile. Merci Ilaria Andréoli. Je vous invite à rejoindre tous les trois la librairie de la main là-bas pour parler des livres et puis échanger avec vous. Voilà, si vous avez encore quelques instants. Merci de votre présence. À bientôt pour la prochaine conférence qui portera sur Sismographie des luttes, un livre sur les revues, passionnant aussi, vous allez voir, une autre question, et ce sera le jeudi 18 novembre. Bonne soirée à toutes et à tous.